Coucou les copains et les copines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Mad Game Tycoon. Avant qu'on commence, je vais regarder si on n'a pas du nouveau perso. Oh, bah c'est bien. En programmation, oh, en game design, John Mechner, ça me dit quelque chose. Oui. En graphisme, alors on a encore un mec, on n'a pas de femme, c'est abusé, il n'y a aucune femme qui dans l'industrie, c'est super chiant. C'est abusé. C'est pas grave, ça viendra alors, plus tard. Alors, graphiste. Lui, en game design, bah on va se reprendre un mec en game design, écoute, qui va épauler les développeurs. En game design secondaire, hop, pour le contrôle technique, parce qu'on va en avoir besoin pour le contrôle. Pendant ce temps-là, je cherche des pseudos. Hein. J'embauche encore des gens, mais cette fois, ça va être pour le support. Et il nous faut de la musique, évidemment. Ah, on va pouvoir embaucher des gens pour la musique. Je crois qu'on est à peu près bon. On est à peu près bon. On dit qu'on est bon. Alors, quel nom, combien de noms il te faut? Alors, il m'en faut plusieurs, okay. Déjà. Il m'en faut un pour lui. Pépito Granolax. Pépito Granolax. C'est un mec qui commande depuis très longtemps. Pépito Granolax. Alors, salut à toi. Hein. Bienvenue dans la société. Tu es donc musicien. Tu fais de la musique chez nous. Ensuite. Nifleur. Bienvenue, Nifleur. Avec deux F. Deux F pour Nifleur. Bienvenue dans la société, bienvenue. Nifleur, tu es un développeur. Putain, t'es Johan Mechner, mec. Ensuite. Attends. Shai Tenda. Shai Tenda. Si ça se trouve, c'est une femme, on sait pas. Dans le fond, on s'en fout. Vas-y, c'est parti. C'est embauché. Tu es un homme. Tu es un musicien. Ou une musicienne. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne saura jamais. D'ailleurs, Frambois, c'est un mec. C'est la vie. C'est pas grave. Ah non, c'est des femmes, mais c'est juste qu'elles sont... Elles ressemblent un peu à des mecs. Hein. Les femmes ressemblent à des mecs hein, dans ce jeu. Alors, j'en ai raté un, lui. Ensuite. Alors, moi... Alors, c'est parce que ça ne m'est pas dans la vraie vie, mais juste le commentaire, jette-toi dans le canal, Kiki. Jette-toi dans le canal, Kiki. C'est Oni Raiju, mec Kirby Boy. Il se reconnaîtra. Kirby Boy. Maintenant, il est là, il est dans Mad Games Tycoon. Kirby Boy, tu es au contrôle qualité. Bravo. Lui, ensuite. Du coup, je continue de chercher hein, des pseudos que je connais. Dans le Discord, peut-être. Dans le Discord. Continue. Pastèque. Pastèque. Ah, on n'a pas mis Askens. Ah, il nous faudra dans le prochain qu'on trouve, Oliver Lin. Alors déjà, Pastèque, bienvenue, tu es dans le contrôle qualité. Et du coup, Askens, tu seras dans les graphismes. Tu vas faire des petits dessins tout mignons pour nous. Il va dessiner des petits... Il va dessiner des bits dans les jeux, il va faire des easter eggs de bits partout. Et un dernier, du coup. Silver. Ah non, on n'a pas Silver tout court. Si, on a Silver, il a été mis... Ah bah non, Silver... On n'a pas Silver tout court. On n'a pas Silver tout court. Celui avec un point d'exclamation. Silver, voilà, tu es avec nous. Bah bienvenue, Silver, bienvenue dans la boîte. Silver, tu es avec Silver Staff, tu t'occupes de l'assistance téléphonique. Et après, pour l'assistance téléphonique, on a Silver Red aussi. Ah bah parfait, tout plein de Silver partout. Bienvenue dans la société. Aujourd'hui, nous travaillons à améliorer un nouveau projet. Le gameplay de Dragon Squat. Nous travaillons sur Dragon Squat, un tout nouveau jeu vidéo qu'on espère qu'il vous plaira. Qu'on espère qu'il sera bien. Améliorer le son. Tout activé. C'est parce que j'ai zéro son. N'oubliez pas de trier directement les employés dans les groupes, comme ça vous n'allez pas les perdre. Oui, mais je ferai ça plus tard, ne t'en fais pas, allez. Framboise. Non, j'oublie pas. Coordination du projet pour eux, là. Framboise, tu vas... Parce qu'il est Elle tout coordine seul. Le projet. Il est tout seul. J'ai qu'un seul mec ici. Ah, je me suis trompé, j'ai fait des cours d'effets sonores pour ceux qui étaient dans les graphismes. Ah. C'est pas grave. C'est con. C'est pas grave, au moins ils ont appris à faire des effets sonores. Bon bah c'est pas grave, vous avez une fibre assez... C'est l'information qui a aucun sens. Mais c'est comme dans la vraie vie. On vous a envoyé faire des haricots. Mais on fait des dessins dans les jeux vidéo. Alors, vous allez promouvoir à la télé Dragon Squat. Sans déconner. Ça va être le meilleur
la meilleure promotion qu'on a jamais fait pour un jeu vidéo. Oh, il faut que j'achète pour... parce que sinon, on va être dans la merde si je le fais pas. Parce que maintenant, on produit nos propres jeux. Exactement. On a de quoi fabriquer nos jaquettes. C'est trop bien. Ça va nous coûter extrêmement cher, sa mère. Mais à la fin... on va toucher masse pognon. Bah oui, parce qu'on contrôle tout le processus. On a toute la chaîne de production chez nous. Ouais. C'est trop bien. Pourquoi ils ont foutu une lumière dans le stock? Qui a besoin d'une lumière pour les stocks? Sincèrement. Personne. Personne n'a jamais eu besoin de lumière pour opérer quoi que ce soit. Bah, ça se saurait, voyons, mais étagère. Mais tu penses que c'est quoi le plot de Dragon Squat? Le plot de Dragon Squat, ouais. Alors, il faut pas que ce soit la même chose. Faut pas que ce soit la même chose, évidemment, que Final Fitness. Et bien, en fait, Dragon Squat, le plot, c'est dans un monde empli de dragons qui ne crachent plus du feu depuis longtemps, ils se sont aperçus que ce qui pouvait asservir les peuples, c'était... Le manque de cardio peut assouvir, asservir, pardon. Et c'est un héros qui sait faire des squats, qui va apprendre au monde comment ne pas mourir. Il a des finishing poses sur les dragons. La morceau de gras dans le corps. Il tape des gros flex sur les dragons et surtout, il apprend aux gens à faire de l'exercice pour pouvoir lutter. Contre l'oppression. On sera à la Gamescom. Oui, mais alors un petit stand parce qu'on a plus de sous. J'ai tout dépensé. Mais ça nous rapporte 4500 fans. C'est ça bien. Ça va, c'est cool. Ça fait une. Alors, du coup, j'y pense. On va arrêter l'automatisation parce que on a plus beaucoup de sous. Le battage médiatique. Et si on veut produire nos propres jeux, va falloir qu'on économise un petit peu. Est-ce qu'on n'aurait pas trop dépensé? Un peu, mais c'est pas grave. On va reprendre un petit budget. C'est des choses qui arrivent. Ok. Ah autre recherche. Parce que du coup, si on veut améliorer ne serait-ce que les sons ambiants, on va en avoir besoin parce que l'autre, c'est des gros branleurs. Regarde-les, là! Ils foutent rien! Pépito Granolax avec Monsieur Kirike et Shaitenda, là, vous foutez quoi? Ils font rien. C'est devenu eux les branleurs de la boîte. Bande de branleurs. Allez, hop, on va bosser là. Dragon Squad va pas se faire tout seul. Ah, mais autre recherche. Effet réaliste, tu sais, sur un jeu 8 bits. C'est pas 8 bits là, c'est 16 bits. Ok, donc c'est très 16. Bien. Oui, mais ça va être le meilleur jeu 16 bits que t'auras jamais vu. Là, vraiment, on est en train de faire toutes les recherches qui nous manquaient, quoi. Exactement. Autre recherche, ambiance atmosphérique. Voilà. Ah, mais j'ai cru que t'allais te mettre à rechercher les textures HD sur un... Mais, monsieur, les écrans plats n'ont pas encore été inventés. Ça n'est pas mon problème. On aura le meilleur jeu du monde. Je suis Tetsuya Nomura. Et non, il s'appelle plus Tetsuya Nomura. Ah oui, pardon. Pour un jeu, d'ailleurs, je vais pas payer pour la télé. La radio, c'est bien. La radio, ouais, à la limite. Mais ça va nous coûter extrêmement cher de produire les jeux quand même. Va peut-être falloir que je calme mes tétons. Non, il y a trop de bugs. 182 bugs. Ah, ils savent pas travailler correctement. Hein. Je crois que je pourrais juste activer les effets réalistes pour le moment, le temps qu'ils finissent les bugs. Regarde à la vitesse à laquelle ils travaillent. Non, là, ils finissent l'interface UI. Voilà, okay. Maintenant, on peut supprimer les bugs. À terme, ce qui sera cool, c'est qu'on pourra faire un deuxième... Dragon Squat. Non, oui, déjà, mais un deuxième centre de contrôle qualité. Là, je t'avoue qu'on n'a plus de fric. Alors, peut-être qu'on va demander à Square de nous développer notre jeu. Ou alors, on emprunte. Je suis un peu en train de... Ah, on n'a plus de sous. Ouais, bah, emprunte. Emprunte, parce qu'on pourra les rembourser directement. J'emprunte le max. Pas le max, t'empruntes de quoi tenir. Voilà, ça va. Un petit million d'emprunts, ça va. Un petit million, tu vois. C'est Trump avec son petit million d'emprunts, je crois. Je crois aussi, oui. Ouais, mais... Putain, mais je me suis trompé. Je suis en train de promouvoir Final Fitness. Je veux pas promouvoir Final Fitness. Bon, bah, c'est un peu mort pour la promotion. Bah, promouvoir Dragon Squat. Non, mais c'est bon, on est en train de corriger les bugs.
Là, ce sera un peu le jeu qui sort en catimini. C'est... Il a intérêt de marcher, Dragon Squads. Hein. C'est un gros risque qu'on prend en étage. Mais c'est pas grave. C'est un gros risque, hein. Et les gros risques, les grosses conséquences. Hein. Du coup, on n'a pas de jeu cette année. On est nulle part. On est nulle part. On était le studio de l'espoir. Là, on trahit tout le monde, mec. Je suis tellement déçu de nous. On est tellement nuls. C'est vendu 1,5 million de copies de Final Fitness, quand même. C'est bien. Oh non, putain. Ouh, ça va être dur. Mais d'où t'as deux cracks du jeu vidéo en l'espace de 4 ans? Vous avez fumé, monsieur. La petite sueur des savanes. Le petit Pemou. Regarde, ça a divisé par deux les ventes. Vas-y, sans Dragon Squat. Est-ce que ça vaut toujours le coup de le publier nous-mêmes? Oui. J'emprunte à nouveau parce qu'on a plus de sous. Ah. Ah oui, là on va vraiment finir pauvre. Peut-être que ça va être fini qu'on il est prêt dans une semaine. Alors, on va mettre un manuel en couleur, un petit poster, des autocollants, un ballon Dragon Squat, un TCG Dragon Squat, un stylo et un t-shirt. Non, le t-shirt c'est peut-être too much. Le t-shirt c'est sans doute too much. Hein. Et le stylo aussi. T'as vu le prix que ça coûte, un putain de stylo? C'est vrai. Définir le prix automatiquement, je sais pas. Oui, t'inquiète pas. Ça va définir le prix. Le stylo, tout ça, tout va bien. On fait 11$ de bénéfice par jeu vendu. Ok. Ce qui reste pas mal. Maintenant, il faut qu'il ait une bonne note. Ça va. T'sais. On est toujours dans le game. On fait toujours des jeux qui sont putain, mais attends, magiques. C'est le meilleur jeu qu'on a jamais fait. Bah ouais. C'est le meilleur jeu qu'on ait jamais fait. Dragon Squat, les amis. Alors du coup, maintenant, il faut produire. Et là, tu vas voir, l'argent va fondre. Alors, je vais peut-être en produire genre 250K. Ouais. Ça va coûter cher. Ok. T'es prêt? Ouais. Ah! Je suis obligé d'emprunter. Et ça se trouve, on va pas gagner d'argent parce qu'il y a un crash des jeux vidéo. Oh merde! Alors déjà on arrête la campagne. Final Fitness a été retiré, putain. Bon, il faut qu'on fasse d'autres jeux, de toute manière on n'a pas le choix. Mais déjà fait une mise à jour de Dragon Squat. On va faire une mise à jour de Dragon Squat. Oh putain. Oh, la sueur froide. Le jeu qui nous l'a mise à l'envers. Alors que c'est le meilleur jeu de l'univers. Alors que c'est notre meilleur jeu. Il nous l'a mise à l'envers. Aïe. Je vais rembourser un peu parce que là, quand même, on prend 22 000 d'intérêt mensuel. Voilà. Faut qu'on sorte vite un nouveau jeu. Développer un moteur, améliorer un ancien. Le Bito Power X. On fait un platformer. On fait la suite de... De Ultra Lopox 6. Ultra Mega Lopox 6. Le Bito Poivre. Remaster. Le Bitoivre. Le Bitoivre. Le Bito Poivre. Resurrected. Résurrection. Avec deux R, tranquille. Non, c'est bon. Résurrection. Résurrection. Remix. Ah, c'est vrai que maintenant on a Tetsuya Nomura. On a Tetsuya Nomura, donc. On a le droit. C'est... Donc on peut même mettre. Le super Bito Poivre HD Résurrection Remix. Il va quand même coûter 225 000. Allez, travaillez. Davaille, comme on dit. Autre recherche. On va rechercher un genre, parce que ce qui va être cool, ça va être les FPS pour faire des RPG FPS. Ouais, on va faire Borderlands, quoi. Ouais. Ah, c'est cool. J'aime bien ce jeu. Alors, Borderlands, Fallout, Skyrim, tout ça. Ok. Bon, mine de rien, quand même, on va gagner de l'argent sur Dragon Quakes. Dragon Squat. Dragon Squat, putain. Je rembourse, hein, petit à petit. Je t'en prie. Nous, on a emprunté que 1 million. Là on fait un jeu, mais on l'édite pas nous-mêmes. On peut, hein. Oui, non, mais là non. Si là. C'est une suite, mec, on aurait tout intérêt. Alors, une suite de quoi? Qu'est-ce qui te plairait de développer? Ah, il faut que ce soit un court et saute. Bah, du coup, ce sera un Ultra Lopox 6.
la suite d'Ultra Lopoxy. Ça, on a tellement de blagues rigolotes à notre actif, tu vois. Zumba Apocalypse. Alors, Ultra Lopoxy. Ultra Méga Lopoxy. Bah non, on peut mettre juste Méga Lopoxy. Méga Lopoxy. Parce qu'il faut suivre, en fait, c'est comme notre Mario, tu vois. Donc, il faudrait éventuellement coller à peu près à un Mario. Donc, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Après, Super Mario Bros, il y a eu Super Mario Bros 2. Donc, il y a eu Super Mario World. Bah non, il y a eu Super Mario Bros 2 oui, d'abord. Mais... Ah bah, du coup, attends. Ça te va? Avec un S. Lost Levels. Ultra Lopox 6 Lost Levels. C'est bien. Ça te va? C'est bien. Pour les enfants, c'est en tellement A, dur, fantasy animation. C'est très fantaisiste, Lopox. Il faut le reconnaître. Hein. Cours et saute. Le moteur, le super Bito Poivre HD Remix. Non, HD Résurrection Remix. HD Résurrection Remix. Putain, les mecs qui vont acheter le moteur de jeu. On continue. Un jour, on aura notre propre console. Ça va nous coûter très cher, mais voilà. Sur ça, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle console qui se vend bien? Qui se vend mieux que 3,8% du marché. Parce que le Apple Mac. On peut pas, c'est dommage qu'on peut, on développe pas sur la NES. Hein. C'est dommage. Bon, bah ce sera encore sur PC Engine. Hein. Le PC Engine qui est au coude à coude avec la NES. Hein. Ah, mais c'est pas mal. C'est hein. Grâce à notre soutien indéfectible de la console qu'on arrive à faire vendre. Alors, le cours et saute, c'est quoi? C'est du platformer. Platformer. Ouais. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est 00-1-10, donc tout est bon. On va mettre ça. Hop, on passe au suivant. Platformer. 25-20. Oui, c'est le truc moyen. Là-dessus, on est bon. On active toutes les technos. Toutes les technologies. On améliore le gameplay. Le gameplay d'Ultra Lopox 6 au max. Lost Level. Graphisme. On améliore. Max. Et le son. Au max. On améliore. Et on va embaucher. On embauche. On va embaucher sur du game design. Pour pouvoir être épaulé. Est-ce qu'il n'y a pas une femme? Ah ben voilà. Et ben voilà. Bienvenue Chachou Crazy. Bienvenue parmi nous. Hop. Je pense que ça suffira une seule. Oui, ça devrait aller. Vous voyez. Elle est où? Elle est là. Chachou Crazy. Chachou Crazy. 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 Oh yeah. Oh crazy. Bienvenue Chachou Crazy. Donc ça c'est bon. Pour la musique c'est bon. Et ben écoute, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Bisous tout doux. Au revoir. Come on, make up every moment, don't you know? You'll let it on a jungle day.